fucking show. Et salut tout le monde, c'est NozGeek46, comment allez-vous? Moi ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel où je vais vous dire comment jouer à des émulateurs. Mais enfin je veux dire comment différencier quel émulateur est bon et quel émulateur n'est pas bon. Donc on va tout de suite commencer. Donc déjà, faut pour les jeux rétro, c'est-à-dire genre Pokémon jaune, Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon jaune, faut aller sur l'émulateur GBA. Que vous voyez juste ici. Okay, parce que prenez un exemple, je vais prendre My Boy Free, on va essayer Virtue Crystal. Ça va pas marcher. Vous pouvez essayer avec les autres ROM, ça va pas marcher. Alors que là, ça va tout de suite marcher. Mais par contre, le son il sera vraiment très mauvais. Enfin pas vraiment très très mauvais, sauf que le son va avoir des petits, ouais, bon, vous comprenez, il y aura des bugs dans le son. Par contre My Boy Free, c'est pour les jeux comme Pokémon Saphir, Emerald, Ruby, Kirby, Rayman et tout. Et ça franchement c'est quelqu'un de c'est comment dire, une ROM qui est super bien parce que le son il est super, c'est gratuit. Le système de sauvegarde, c'est le même que quand tu as un jeu, tu dois sauvegarder ici, tu dois sauvegarder là, tout simplement. Bon. On va faire un petit exemple, on va prendre... Tiens, on va prendre Virtue Crystal. Ah non, c'est vrai, ça marche pas. Bon, nous, je veux. On va mettre le son. Donc là vous voyez que ça marche très bien, c'est gratuit et regardez. Donc là vous entendez bien, là il y a bien le mode accéléré mais ça suit bien la musique. Ça va pas comme ça va pas faire un son n'importe comment. Donc je vais vous montrer. Vous allez sur le Play Store. Oui. Ça va quand même un peu beaucoup de temps à charger. Vous allez sur GBA. Et oui, il est sur Emulator for GBA pour les jeux rétro et My Boy Free pour les jeux, voilà. Pour les jeux comme Zelda, Minish Cap et tout. Mais par contre, My Boy Free, il va pas accepter les jeux rétro. Les jeux trop pixelisés, je pense. Et là, pour My Boy Free GBA Emulator payant, ça permet juste de pouvoir mettre des cheats, de pouvoir augmenter l'accélération du jeu. Et ça permet aussi de récupérer les parties qu'on a sauvegardées. Parce que là, dans le Free, eh bien, tu peux sauvegarder. Sauf qu'après, par exemple, si t'as un légendaire, t'as une chance sur deux de l'attraper. Bah, par exemple, si ça marche pas, bah, tu vas reprendre ta sauvegarde automatique. Et bien, dans la version gratuite, et bien, tu peux pas reprendre une sauvegarde automatique. Pour ça faut que t'éteignes et que tu rallumes comme avec une DS. Enfin c'est comme avec une DS, tu sauvegardes devant un légendaire, tu réussis pas à l'attraper, tu reset. Et bien c'est pareil, mais par contre pour l'émulateur for GBA, et tu peux sauvegarder comme ça. En fait t'as même pas besoin de sauvegarder, t'as juste tu quittes juste le jeu, tu reviens, la sauvegarde est toujours là. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Il aura de continuer quand même. Et franchement, c'est vraiment très très cool. Donc j'ai vu que ce tutoriel est vraiment parlé et montrer comment installer les émulateurs de ROM. Enfin pardon, de ROM. Donc pour ça, vous allez sur le terrain. On va mettre un peu sur la note ROM GBA SR. On va ici avec une version on va se faire un peu moins là. Qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire un peu
Alors là, je vais faire ce que je peux. Ici, donc là, vous cliquez ici, et vous cliquez en bas. Là, vous cliquez annuler. Vous attendez 20 secondes. Après, on a tout le temps, mais sauf que je vais mettre une petite pause. Et je reviens les 20 secondes pour reculer. Et là, on va mettre 2 minutes de juste ici. Voilà. Et là, maintenant, c'est tout chargé. Donc, on va essayer ça ici sur MyLight. On va voir si ça marche pour le MyLight. Ah oui, mais en fait, d'abord, vous tapez ici. Et là, Mario Kart 8. Je vais faire ça. Ah oui, mais par contre, ça me porte très bien. Après, j'ai pas envie de le faire. Donc là vous voyez que ça marche super bien. Même si c'est pas en français. Et là voilà. Maintenant vous allez appeler si ça marche. Je vais commencer à la première partie qui va être une femme à passionner. En plus de ça, il va faire un temps entre les rôles qui nous permettent déjà de jouer trop, comme le Pokémon Jaune, Rouge, Bleu, Pixar, entre les 6 Pokémon, comme Hyper, Fusion et Megaman. Et on va le truc qui est tous les jours qui sont aussi bien Pokémon. Et tous les jours qui ne sont pas les trop, mais qui sont toujours sur le Game Boy Advance, Game Boy Color normalement. Ici. Parce que j'ai déjà fini sur le côté de la France. Ici. Et je peux aussi jouer à bien. Comment ça fait? Je vais apprendre aussi sur ce jeu de la là. Par contre, moi, perso, je vais apprendre mais je suis pas trop fan. Parce que j'ai beaucoup de capacités. C'est pas quand je suis pas fan de ce jeu. Là, je suis pas fan de ce jeu. Et c'est mieux de mal être. Donc je n'hésite pas à commenter, partager et à tout le monde qui vous a plu. Et voilà, abonnez-vous et suivez-vous sur l'appareil. Bye bye.